travers les disques où il accompagnait Yves Montand. Et j'étais très. Enfin, j'ai connu, pas lui, mais j'ai connu sa musique, sa manière de jouer. Et j'étais très impressionné, très séduit. Et je dis souvent que j'ai acheté beaucoup de disques de Montand pour écouter Crolla. C'était ma première approche de son art. Ensuite, il y a eu un événement extraordinaire dans ma vie, c'est que j'avais écrit une chanson, qui était une petite chanson de quelques notes, une musique que j'avais écrite sur un poème d'Aristide Bruand. Et dans le même temps, Henri Crolla avait fait une musique pour une chanson pour Yves Montand. Et les deux musiques se ressemblaient. Quelqu'un l'a su. Moi, je n'étais pas connu du tout, donc Crolla ne connaissait pas mon existence même. Peut-être qu'il m'avait vu chantonner au cabaret. Mais quelqu'un lui a dit, vous savez, votre chanson, elle ressemble à celle de Georges Moustaki. Et Crolla m'a téléphoné, il voulait voir, mettre les choses au clair. Et son premier réflexe, c'est de dire, je lui ai montré, il me dit, oui, c'est ça, je vous le rends, je ne veux pas... Et moi, j'étais tellement... C'était un tel miracle de rencontrer Crolla en chair et en os chez moi, que j'ai oublié cette histoire. J'avais envie de jouir de sa présence et de ne pas avoir des discussions professionnelles un peu bureaucratiques, parce que c'est combien de notes vous avez mis, etc. Je ne sais pas si j'explique bien, j'espère qu'on comprend. Que très vite, on est passé sur un autre registre, il m'a demandé ce que je faisais, je lui ai chanté des chansons, je lui ai dit ce que je pensais de lui, et on a passé du temps, on n'a pas vu le temps passer plus exactement. Il a regardé l'heure, il m'a dit, mais j'ai rendez-vous avec Piaf et j'ai pas envie qu'on se quitte. Alors je t'emmène si tu veux, parce qu'entre-temps on se tutoyait, on était déjà comme de vieux amis. Et il m'a emmené chez Piaf. Et alors pour moi, Crolla, en dehors de toutes ses qualités de musicien, d'individu, c'est comme un bon génie qui est rentré un jour dans ma vie et qui l'a vraiment transformé. Raccontano tutti di essere stati trasformati dal suo passaggio. Non era solo il napoletano col corpo pieno di musica. Le sue azioni riguardavano i piani stessi del vivere. Avvolgeva ogni cosa con la vis comica di un clown, un pulcinella sublime. Era come se dicesse, in un'epoca empia come questa, essere allegri è un dovere. Ma sapeva anche rimproverare. Due qualità che messe insieme non fanno il ritratto di un giusto. Secondo un'antica leggenda talmudica, il mondo intero si legge solo perché per ogni generazione, miracolosamente, nascono 36 di questi uomini, che senza darlo a vedere, compensano l'andamento normale delle cose e impediscono la catastrofe. Similmente a certi bluesmen neri e ai musicisti gitani, questo è il cosmo in cui Henri Bambino si è trovato a crescere. Un quartiere della cintura noto come La Zone, primo rifugio degli immigrati italiani, chiamati allora dai francesi Rital.
di mamma di intorno al quartiere dei Rital erano accampati i carri dei nomadi di lingua francese, detti manouche. Tra di loro, per caso, c'era anche Django Reinhardt, nato in Belgio, 10 anni più di lui, che viveva nella sua roulotte con la madre, un fratello e una schiera variabile di cugini. La première fois que j'ai vu Django, j'avais 13 ans à peu près. J'étais sur la zone, j'habitais Porte de Chausy avec mes parents, ma famille. Et nous, on habitait sur la zone, une espèce de baraque. Et lui et sa famille habitaient dans un terrain qui était tout près, dans des roulottes. Il est évident que j'étais attiré par la musique, par mes parents, qui étaient musiciens. Ils jouaient dans les rues. Hein. Évidemment, quand j'ai entendu jouer la première fois Django, j'ai été saisi, comme on peut l'être, évidemment. Et... L'école a été finie à ce moment-là, et puis tout a été uniquement musique, et je n'ai quitté plus, enfin j'étais toujours avec eux, même je ne couchais même plus chez moi, enfin très souvent, et puis voilà.